Bonjour, changement d'axe du BO, du bas oscillant, un œuf. Pourquoi je le change? Je ne l'ai pas scié parce qu'il était coincé, je ne l'ai même pas scié du tout. Mais il se trouve que normalement, il doit arriver à peu près ici, écrou compris. Et le mien fait bien 3 cm de trop. En fait, ce gros écrou, ce n'est qu'une grosse rondelle épaisse. Je ne sais pas d'où il vient. L'axe que j'aimerais bien le savoir, car ça peut toujours servir pour dépanner. Alors l'opération dévisser est là, à droite, tout en maintenant en face, au niveau du haut de la platine cale-pied. Ça c'est le cale-pied, la platine cale-pied. Je tiens ici avec une clé à molette et je desserre de l'autre côté. Et voilà, c'est parti. Roue sur cale avec le pneu arrière vraiment à ras du sol. Ça bouge à peine pour ne pas faire forcer sur l'axe. Et vous voyez, j'enlève l'écrou. Et ça, c'est bien une espèce de grosse rondelle. Saloperie. Bing, par terre. J'avais déjà tapé avant, hein. Vous voyez qu'il bouge. L'idéal, si vous voulez essayer de le décoller, vous laissez l'écrou à moitié emmanché et vous tapez sur la tête d'écrou. Pas sur le bout de l'axe fileté. Voilà. Je vais prendre une espèce de chasse goupille ou même pas d'ancien axe parce que je vais abîmer le filet. Un tournevis, hein, quelconque. Et taper comme ça, il va sortir. Voilà, l'axe est sorti. Vous voyez la différence de taille. Je ne sais vraiment pas d'où il vient cet axe. J'espère que mon écrou va aller dessus. Je vais essayer tout de suite d'ailleurs. Oh là là là. Oh là là là. Et au montage, enduire de graisse, vraiment de graisse. Il doit baigner dans la graisse l'axe. Et voilà le nouvel axe, l'axe qui sort. Vous voyez que je n'ai pas lésiné sur la graisse, vu tout le trop-plein. Je peux enlever d'ailleurs. Voilà. Et plus qu'à serrer, coup de chiffon et serrage. Voilà, c'est monté. À ce sujet, un petit truc. Si vous comptez, hop, je passe de l'autre côté. Si vous comptez changer la bague de protection entre le BO et la chaîne, nul besoin de démonter ni la roue ni les amortisseurs. Je l'ai fait, donc vous allez y arriver aussi. Il suffit de défaire la tige d'ancrage ici, pas sur la flasque, le flasque, mais ici. Enlever l'axe comme je l'ai fait tout à l'heure et faire pivoter le BO en dessous des platines cale-pied. Autant à droite qu'à gauche. Et à ce moment-là, votre caoutchouc de protection se trouvera en bas. Mettre le neuf et remonter l'ensemble. Et ne pas oublier de resserrer la barre d'ancrage en face ensuite. Merci.